Alors Aline, en fait, première chose, c'est de repérer la rythmique, en fait, puis c'est une chanson de danse, hein, c'était un slow. Et donc, en fait, c'est une mesure, ce qu'on appelle un 6-8. Ça fait comme ça fait 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 1. En fait, ce côté 3 temps, en fait, est implicite. C'est une mesure, en fait, à ce qu'on appelle des mesures ternaires, hein, puisqu'en fait, il y a cette tournerie du 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, qui est très propice à la danse. Hein, ça fait penser effectivement à la valse, qui est elle-même une mesure simple à 3 temps, mais là, c'est une mesure dite composée. 1, 2, 3, 2, 2, 3. On va essayer de compter ça. En écoutant la chanson, où est ma souris? Hop, 1. J'avais dessiné 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1. Alors quand on a affaire à des mesures composées, comme ça, et cette habitude de dire, donc on va compter le 1, 2, 3, qui est cette espèce de tournerie. Et puis au début, on va dire 1, 2, 3. Le premier 1, c'est bien le premier temps. Et 2, 2, 3 pour dire que c'est le deuxième temps. Donc c'est 1, 2, 3, 2, 2, 3. Et ça fait une mesure à 6 temps. 1, 2, 3, 2, 2, 3. On pourrait compter aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est moins précis parce qu'en fait, le 1, 2, 3, 2, 2, 3 donne le nombre de temps, en fait. Et donc en fait, le 1, 2, 3, 2, 2, 3, ça vous donne une mesure en 6-8. Donc on va essayer de compter maintenant les mesures. Et par exemple, on va le compter en essayant de regarder sur les doigts pour l'instant, la partie couplée. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. J'avais dessiné 1, sur le sable son doux visage. Qui me souriait. Puis il a plu. Et on recommence. Sur cette plage. C'est la deuxième partie du couplet. Cet orage, et là, je suis arrivé donc, si vous avez bien compté, je suis arrivé à 2 fois 8. Le refrain. Et là, si vous avez bien compté, on est arrivé. J'avais hop, 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 hop. Dessiné. On est arrivé. J'arrive à l'arrêter. On est arrivé à 8. C'est-à-dire qu'en fait, le couplet, c'est 16 mesures. En fait, 2 fois 8 d'ailleurs. Parce qu'en fait, les deux parties sont identiques. 2 fois 8. Et le refrain, c'est 8. Alors, on va s'apercevoir après que dans le refrain, en fait, les accords défilent 2 fois plus vite. D'accord? Donc, essayez de faire cet exercice, par exemple, d'écrire un petit tableau dans lequel il n'y ait pas forcément le nom des accords, mais le nombre de cases correspondant au nombre de mesures. Donc, pour les couplets, je répète, c'est 2 fois 8. Donc, faites éventuellement une grille avec 2 fois 8 cases, ou 16 cases si vous préférez. Et pour le refrain, il va y avoir 8 cases, 8 mesures. Essayez de faire ça. Et avant de regarder la vidéo qui suit, et dans ces cases, après, on mettra le nom des accords. Voilà. Et puis après, on essaiera de les jouer, évidemment. Voilà, à tout à l'heure.